Prise 1, Jérémy Girardet, action. Taulier et soudeur. Je suis la base en fait des soudeurs. Je dois leur donner à manger tout le temps, c'est-à-dire que je dois créer le plus de pièces possible pour que eux ils puissent venir et souder. Chez Neftis, Brest, port de commerce, dans la réparation navale. J'ai fait un baccalauréat comptabilité financière des entreprises. Puis je suis arrivé à faire des petits boulots un peu à droite à gauche pour finir après en CDI pendant 7 ans à la Poste. J'ai fait une reconversion à Fongessif. Pendant 7 mois, j'étais en formation à l'AFPA de Brest et j'ai fait de l'intérim un peu à droite à gauche pour après arriver ici chez Neftis. Oui, un facteur, un petit bonhomme avec son petit gilet bleu et jaune qui livre des enveloppes et qui dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Pas du tout. En même pas 5 mois, je crois, j'ai pu arriver dans l'AFPA de Brest pour commencer à souder. Poste à souder. Complètement. Ça va créer énormément de main-d'œuvre et on va devoir en rechercher en espérant qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse se lancer dans ce métier-là. Ah bah complètement. On est là pour apprendre tous les jours. Donc si on ne fait pas, après on ne pourra pas dire à la fin de sa vie que voilà, je l'ai fait, c'est une reconnaissance. C'est super gratifiant. À demi-sel. Ça n'existe pas le Bordeaux, c'est quoi? C'est de la margarine? On s'est cru dans le sud ou quoi? Oh, le jeu de mots. C'est super intéressant mon job, je le recommande à plusieurs personnes. Au début, moi je voyais un peu le métal comme un casier, c'est super dur à faire. Alors que maintenant, je me dis c'est juste du métal quoi. On prend de la tôle, on la plie un peu, on va faire des points à droite à gauche et c'est nous qui le créons et ça c'est super intéressant. Minutieux, patient, de temps en temps un peu bourrin. Oui. Oui, on gagne mieux que facteur. Oui, complètement. On peut devenir taulier, après on peut devenir chef d'équipe, chef d'atelier, même après pouvoir se former pour devenir aller dans les bureaux. C'est un métier ouais, que je conseillerais aux jeunes parce que c'est un métier qui permet sûrement beaucoup de voyager, de travailler avec ses mains et de voir un peu la vie différemment, de voir tout ce qui nous entoure différemment. Création. Je pense que si tout était à refaire, je passerais directement en tant que taulier sans passer par la case de la poste et choses comme ça, et j'irais directement dans les écoles spécialisées. Je suis fier. Voilà. Pour la fin. C'est dans la boîte. À voter.